Bonne santé. Ce que Nazaline a parité, mais Nazaline approche à Lyon. Approche à Lyon, donc proche à Lyon. Nazaline a environ 30 à 40 minutes de Lyon. Ben, c'est plus précisément c'est à Oyonnax. Oui. Oui. Ben, et ça, c'est mon malade, non? Et ça, c'est mon malade, je suis au Sagan, je suis au D'accord. Ouais, non, 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 non. Ouais, ça on va aider aider toujours plus pour monnaie souvent va critiquer va combattant autant va critiquer va combattant parce que on fait la marche les autres au tambola mais on produit révolutionnaire leur côté parce que bateau va à pouvoir va au monde qui marche on a toujours ça les années qui va viser Timorogwe pour bon bazar en place sur les alibanda et on a le baki que faut changer d'idéologie. Cela veut dire que tout il y a ce qu'on va proposition pour tout la qui s'acquiert, tout la qui s'acquiert. Maintenant, nous allons venir vous dégager pour remettre en état le droit à votre pays. C'est dans cette direction que nous arriverons à convaincre les gens. Mais par contre, il faut quand même que nous ne puissions pas aussi laisser que nous puissions rester. À la fin du débat, ce qui n'a fait
Ezali bongo vraiment. Ezali Et bongo ça, pour pourquoi? moni. Parce que c'est pour faire avancer notre pays. Moni, on a tiré ma proposition. D'abord, on sent que proposition est à la vocola. Pour que proposition est à la vocola, et sent que tout solo la macro. Après, nous sommes pas d'accord. Vous allez dire, mais sous son attaque, il n'a qu'à tirer. Oh, peut-être que vous avez dit ça. Il y a moins de temps. Mais par contre, ce qui est loco, ils allaient critiquer. Pour Moutoua Koya, pour éviter, pour Akoya, il faut que Nazala ait un moyen pour convaincre. Ce qui peut-être a commis, peut-être Nazala a un moyen pour convaincre. Mais comme je ne suis pas encore menacé, je me dis non. Mais comme il a commis, il n'y a pas de problème. Il faut expliquer peut-être mieux que moi. Donc dans cette directive-là, Ezali li kambote pour moni d'accord omoni lokola ba yebi biso pe mingi te ezali moto moko ali beaucoup plus visible parce que akoki koloba ba dios ba yebi biso toza ko biso Mais par contre, c'est un peu plus.
je sais, c'est un propos, On c'est sent un. que ce peuple congolais, Tocendaka, on s'approche des amis ivoiriens. On s'approche, c'est parce que tout ça va pas en africain. Vous êtes d'accord avec ça, tous les deux on est d'accord avec ça. On est d'accord pour appuyer les autres, les frères et tout. Mais là-bas, marche, ils ne sont pas là d'apporter quelque chose. T'as là une Makamba Chibé. Makamba Chibé, t'as un voyage, tu vois. Oui. Par contre, on a une peut-être proposition super bien dans le Baba Roi, tout ça, c'est un gouvernement très intéressant pour le Baba. Mais Wana, la frontière, Wana, c'est pour ça que la Comé l'a dit très subtilement que oui. On ne peut pas ouvrir nos frontières aux gens qui ne nous aiment pas. C'est un message qu'on a pas. D'accord. En gros, si tu dis que tu aimes le Congolais, oui. D'accord. N'a comprendre qui bute. N'a comprendre qui bute. Bon, moni, moni, le quoi là, to panda qui na bateau, to zobe nga bene bazombo. Bazombo, ou bavanda na biso na mboka. Ezali na bateau msou zabengi ya Brazzaville, ou bavanda na biso peke na kata mboka. Ba botami peke na kata mboka na biso. To botami na bango, to boti boti pe na bango. Ozo comprendre na sanso na zoloba. Pour te revivre déjà, les KRD te revivre en gros, mais ils allaient nous une forme assez embryon pour ils allaient nous reconnaître. Mais si on a le dit que le col a été bâti na bango, tu as la qui paye à l'ibosso de la qui est colomoko. Mais si on a pour la favoriser que tu as un état haut, tu as la qui n'a rien à cala, tu comprends déjà en premier temps pour tout ce qui peuple peut se sauver. Ce qui peuple peut se faire pour sa possibilité. Excusez-moi, oui. Excusez-moi, mais aujourd'hui, notre état d'esprit n'a pas souffrance ou toujours joie. Oui. Pas du tout beaucoup de bagarre dans la vie. Tout le monde rentre dans des gardes à vue. Oui. Les femmes sont violées là-bas, etc. Je suis désolé. Je n'ai pas vu ceux que tu dis quand on s'est marié avec eux, etc. Tous ceux qui sont dans nos frontières là. Je ne les ai pas vus dans nos marches monter les drapeaux Congo de Brazza et dire je suis avec mes frères. Congolais, ton abat cousin boué, et avoir ton discours. Ben oui, je suis au courant, je suis au courant. Je suis au courant. On est en train de conscientiser notre peuple oui. Sur le fait que nous sommes une grande puissance. Nous sommes le royaume Congo et que nous sommes la gâchette de l'Afrique. Donc, une fois qu'on a réglé, parce que Congo-Brazza chez nous, c'est une région. Non. On aura fini de régler puisque, les problèmes de pays puisque. Et là, on s'occupera des problèmes de région. Ben, mais c'est pour cela qu'on dit, quand on parle du royaume Congo. La balkanisation, le problème aujourd'hui, on veut savoir qui est congolais, qui ne l'est pas. Et une fois que tu viens, tu dis que oui, je suis congolais, dans mes propositions, tu verras, j'ai fait beaucoup de propositions pour que les gens, tu verras, ça va se faire, ça va couler de source, que chacun va se sentir patriote, d'accord. Ça coule de source, que chaque combattant va s'en sortir avec quelque chose de ce qu'il a fait comme marche, etc. J'ai dans mes propositions, tout le monde va sortir vraiment la tête haute. Et derrière, le Congo, pareil, j'ai proposé des choses que j'ai enregistrées par rapport aux histoires de dette. Papa, posant la dette, t'as beau été. Oui. T'as beau été. Posant la dette, t'as beau été. Mais t'as mis ma transparence. Donc, ma proposition, là, j'y rentrerai vraiment à l'intérieur de tous ces trucs-là, des jours de débat. Et donc, j'ai sensibilisé beaucoup des frères et des sœurs. Moi, je me suis présenté en tant qu'ambassadeur de paix chez les combattants. Je n'ai pas demandé en tant qu'ambassadeur de paix chez tout le monde. La seule en tant qu'ambassadeur de paix chez les combattants, c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, on parle. J'ai un groupe radicaliste de près de 7 personnes derrière moi, oui. La finance à Bango. Et Wana, mais par contre, Wana et ça, Nani Nanga, en tant que honneur, n'a pas très l'ambition. Oui. Mais par contre, je suis très ouvert, j'aime parler.
Non, si vous êtes d'accord, on y va quand on a commenté, mais une chose est sûre, comme moi, on a dit popo, Bambé l'a en moté. Vous comprenez, papa? Oui. Comme moi, popo, Bambé l'a en moté, c'est un combo, Oyo, et Woutimbo, Kawana, dans Lubumbashi, aux villes qui popo, il y a trois fois plus grand que Paris. Tout ça, Oana, on se connaît, une histoire qui popo n'a jamais changé de nom. On se connaît, on se connaît. Gros salaté, ma camcara boy. Ici, on se mélange, on fait tout. Mais Kipopo n'a jamais changé. Bah, Elisabethville, bah, Léopoldville, etc. Kipopo, tu vas avec un Kipopo. Il y a un combo, on a des apprenantés, des arts. Non, on va faire ça, on a un potamanango. Nous sommes là. Donc, vu qu'on a vu qu'on a interdit un combo sur l'ingi. Mais Kipopo, on a interdit un yamoté parce que yo, on a un mandat il y a 5 ans. Mais par quoi qu'on a vu ça, bah, ça, on a fait ça, puis sur un combo, on a au moins un abyss. La présidence au Kenya. Mais moi, on a vu trop, trop de gens qui battent la tête. Donc, Oui. interdit-moi où tu veux. Donc, il y a moins d'abasso empêché qu'il y ait un abasso à Kouna Nabi. Donc, D'accord. moi, là. Oui. Il y a un lobby, Il y a maintenant, on a vu ma camarade royauté. Hein? Il a soutenu Rio, mon frère. Oui. Je te soutiens à 300%. Oui. Mais par contre, mon frère, si on revient toujours des Angolais et les Brazzavillois et les Gabonais, puisque là, il faut qu'on retourne un peu dans le contexte. On ne peut jamais parler du Royaume Congo sans citer l'Angola, parce que c'est là où il y a eu plus de rois qui ont gouverné dans l'ancien Congo, le Royaume Congo. Donc, il y a Aujourd'hui, eu, papa, pour être congolais aujourd'hui, ben aujourd'hui, ça c'est effectivement l'ancien temps, oui. l'histoire a été Ben oui, écrite, mais pas de souci. Mais aujourd'hui, le Congo s'appelle le Congo, l'Angola s'appelle l'Angola. L'Angola Et le s'appelle Congo pas vraiment Brazzaville s'appelle le l'Angola. Congo Brazzaville. Mais Mais quand on du coup, parle de l'État. aujourd'hui, on ne voit pas qu'ils envoient un geste plutôt que de recevoir des gens qui viennent envoyer des missiles chez nous, bah, qu'ils envoient un geste d'amitié en disant. Ça, c'est notre famille, on ne les touche pas. Tu sais combien il y a eu des peuples marocains qui ont traversé pour aller défendre les Tunisiens lors de leur révolution? Il y en a eu combien? On regarde dans les rues tunisiennes, on voit, ah, c'est plein des Arabes et tout ça. Mais c'est peut-être 20% des Tunisiens et le reste, c'est le reste du monde, le monde arabe. Mais nous, il y a combien aujourd'hui qui viennent pour traverser au Congo pour dire non, stop? Nous, on vient d'Angola, on a dit non, on ne touche pas à nos frères. Ça fait et combien de Congo Brazza, combien de. Mon frère, Congo reste Congo, Oui. Angola reste Angola, mais ton famille, mais je suis désolé. Moi, j'ouvrirai les frontières demain si tu me montres que tu m'aimes. Si tu ne montres pas que tu m'aimes, eh ben, je suis désolé. On restera comme ça. Parce que famille ne veut pas dire que oui, on va se soutenir, même dans les choses mauvaises. Maman, les mamans sont violées là-bas. On n'a pas vu un sursaut. Ils nous ont créé que des problèmes. Je n'ai rien contre eux. Nous tous, on est mélangés. On a de la famille angolaise, on a de la famille, etc., etc. Mais je suis désolé. Ça, c'est une affaire où les gens meurent. Ce n'est pas un jeu. Maman va être violée, on les coupe les sexes avec des couteaux. Ce n'est pas possible de. C'est-à-dire que cette affaire, une fois que on est sûr de notre puissance, on est sûr de notre. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle de révolution populaire, etc., dehors, etc. Mais après, les gens, quand ils sont sortis dehors, ben, ça n'est pas m'a appelé là. Mais non, quand ils sont sortis dehors, c'est pourquoi? Aujourd'hui, il faut combattre avec certains faits. Ngaï de base, hein, il faut Oui, déjà, je te voudrais. de base, Nazala qui formait pendant presque 2 ans l'armée française, à la base, Nazala a un sniper. On n'a pas Oui. Moi, D'accord. je me bats pour le peuple congolais. Point. Heureusement, là. Oui. Alors, à la base, donc, comme je suis baillé, piqué. Bah, oh, il va d'appuyer encore baillé, piqué. Macam Nassala qui, par rapport à Macabo, Naza, Sniper, Choki Nazo, un problème, une fois, dans mon tout beau content, tout qui m'a dit, il y a une intronisation à Roissy. Oui. Naïepsaï, la mise à battre. Naïepsaï, yo, tu gonfles, na, yo, n'en a dit. T'en suis, pena, t'en suis, 10 personnes. Hein, papa? Oui. Donc, qu'est-ce qui, au moins, il a foi rouennais à la Koana, na Belgique. Oui. Donc, si la paroisse a fait si bango 5
D'accord. Donc, ce n'est pas que tout de suite quand on dit pouvoir, que Fongoli va frontière. Pour Ezalina, Ezalina va. Tu sais qu'il y a déjà un processus sur Otalina, la page Yemoko, la question au candidat, au moment où on a campagne sur lui. Donc, elle a plus, même à plus de détails que ce qui était dans le Congo démocratique. Donc, elle dit qu'en première phase, tous les autres déjà qui vont conduire pour rétablir l'état des droits. Rétablir la paix entre nous, le peuple congolais, et les autres peuples congolais, pour essayer de rétablir les liens perdus. Ça veut dire que nous allons juger chaque chose commise ou des choses graves qui ont été commises pour remettre les choses à plat. Et une fois que ces choses-là seront remises à plat, et là, nous pensons faire en sorte, en première phase, commencer à mettre l'embryon, cet embryon qu'on parle du KRD, à l'État fédéral, pour permettre que nous, nos quatre présidents ou nos trois présidents, nous puissions avoir un émissaire qui permettrait que nous puissions avoir ces liens perdus pendant X temps. Donc, ça ne sera pas tout de suite. Donc, progressivement pendant X temps, permettre que de faire en sorte. C'est-à-dire qu'en combien de temps? Parce qu'en combien de temps? Ça, mais, c'est une très bonne idée. Oui, mais par contre, ce sont des protocoles. En combien de temps? Ce sont des protocoles que nous avons établis avec eux. Cela peut être à 10 ans. À 10 ans, ça veut dire un émissaire, ça veut dire un cinquième président en première phase. Un émissaire peut sûrement prendre des décisions qui peuvent coordonner les quatre États pour que nous puissions retrouver l'équilibre. En 10 ans déjà. Là, donc, d'après ce que j'ai compris, en 10 ans, vous voudriez qu'on s'asseye avec l'Angola, le Congo, etc., et qu'on sorte, et qu'on fasse un État fort. Mais, n'oublions pas que les pays africains ne sont pas souverains. N'oublions pas que la ville, depuis la ville, la charte de l'impérialisme de Mireille Sacchi qu'ils ont signé en 1885 en Allemagne à Berlin. D'accord ? Oui. Ils ont bien spécifié qu'aucun pays africain n'est souverain. Approche-toi de ce livre, la charte de l'impérialisme. Écoute, mais lorsque nous, nous arrivons, lorsque nous. Comment vous allez regarder, comment dire, Denis Sassou Nguesso en train de se pavaner en tant que franc-maçon comme une marionnette devant tout le monde, c'est le père d'un peuple. Ben, je sais très bien, ma foi. Je sais très bien parce que. Ben oui, ça va rester dans l'histoire, mais parce qu'il faut quand même essayer de dire. Dans chaque histoire, il y a eu sûrement qu'on appelle dur des conflits ou des chocs ou des choses impardonnables. Ben oui, mais par contre, lorsque nous nous arrivons. Lorsque. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des propositions sur. Ben, des propositions sur. Il y en a. L'argent, le budget va sortir d'où? Le Congolais aujourd'hui va manger. Il va se soigner comment? L'argent, le budget va sortir d'où? Ben, tout ça là, on en parle, mon frère. Tu sais, dans les projets que nous avons fait. Oui. Combien de temps? Tous ces sujets-là, nous avons des propositions qui sont déjà préétablies, publiées même. Dans la page de Yemoko, vous trouverez tout cela. Ce sont vraiment un débat qui fait que comment nous allons résoudre l'État, y compris même tout ce qui peut être, armée, finance, tout est vraiment mis en place. On s'assiera, on débattra oui. avec plaisir. Oui, mais par contre. Là, on déploiera vraiment nos propositions. Oui. Et une à une, il n'y a pas de souci. Oui. Mais par contre, sur les cas. Il faut signer
dans les propositions. Oui, Ne va plus au bâti. oui. Parce qu'il y a trop de gens, ils sont là, en train de. Oh, à l'âge de la moitié, un tel, il a couché avec la femme d'un tel. Oh, il y a le concert à la boîte. On n'est pas là-bas. D'accord. Nous faire avancer les peuples congolais. Oui. Mais c'est. Nous avons des propositions. Oui. Il n'y a pas de problème. Faisons un débat constructif. Oui. Un débat de fraternité. En fait. J'aimerais bien que s'ajoutent aussi les frères panafricains. On invite aussi des frères et des sœurs des autres pays où nous débattons parce que c'est un les propositions que nous avons sont des propositions pas forcément proprement au Congo, sont des propositions qui peuvent s'étendre à l'Afrique. Bah, simplement derrière. Oui. Derrière Le Congo du futur, c'est un État qui sera un moteur pour les autres pays d'Afrique. C'est dans ce sens que nous arrivons à mettre un pied. Cela veut dire que nous ne voulons plus travailler avec la copie comme nous propose l'Occident. Mais nous devons arriver avec l'original qui fera émerger l'État de l'Afrique ou que l'État du Congo. Donc, les outils que nous ramenons ou que nous avons pu créer. Oui? Sachant que cet état de quatre états-là que vous voulez créer oui? dans 10 ans, pour moi, c'est une période trop courte. Et d'autant plus que derrière, n'oubliez pas que les budgets des pays francophones, d'accord, leur trésorerie, c'est 60% qui dort dans les banques françaises. C'est une obligation. Et le Congo Kinshasa ne dépend pas de ça. Vous comprenez? Donc, tandis que. La Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville et consorts, tous les pays, les anciens pays francophones, ils ont leurs 66%, renseignez-vous, 60% de leur budget vont directement dans les caisses de la trésorerie française. Donc renseignez-vous, donc ça veut dire que lorsqu'ils veulent récupérer cet argent-là, ils ont le droit de reprendre 25% à condition qu'ils prennent une dette auquel le taux est fixé par le pays français. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est très difficile de baptiser et de s'asseoir et discuter dans ce sens-là. Parce que nous ne sommes pas régis derrière par les mêmes lois. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très sensibles, qui sont très sérieuses, qu'on ne peut pas balancer comme ça. C'est vrai que moi, je préférais effectivement parler un petit peu avec toi au téléphone, oui. puisque lorsque nous faisons des débats, nous avons des débats avancés, des débats en fraternité entre frères, nous voulons faire avancer le Congo. Mais j'ai des chiffres concrets, oui. Et puis lorsque je sors des choses, il y a des livres référentiels, il y a que les gens iront vers ces livres-là, tout ça, etc. Ce sont des choses, si tu veux, au contraire. Oui. Mais par contre, vous devez savoir que nous sommes en train moi, de. Je parle un politicien, oui. un homme d'affaires. Demain, si mon frère, tu te présentes. Présente pour notre pays. Au contraire, si j'ai des idées, je te ferai avancer si nous sommes d'accord. Moi, je ne suis pas là pour. Moi, je suis un homme d'affaires. Moi, oui. ce sont des projets de loi. Oui, mon frère. Ben, comme on dit, j'ai dit d'abord Ingeta. J'ai dit Ingeta. J'ai dit. En tant que citoyen congolais, oui. c'est tout ce que je veux, c'est que ces idées-là, le prochain président ou la prochaine présidente, parce que donc, qu'on ne le veuille pas, il est né ou elle est jamais. Parce que ce sera une majeure qu'on va prendre. Donc, il aille ou bien elle ait ça dans son bagage. Oui. C'est une proposition que nous avons. C'est tout ce que moi je veux. Parce que c'est une proposition que je demande où je ne gagne pas un euro, mais la population va s'en sortir comme ça. Tous les combattants vont se retrouver la diaspora ainsi que ceux qui vivent au Congo vont se retrouver. Donc toutes les propositions que j'ai proposées, pas en étant politicien, je propose en tant que citoyen. C'est pour ça que. C'est très très. Si j'étais politicien, c'est autre chose. Moi, je suis juste homme d'affaires. Je propose ça. Et tous les industries et consorts, je ferai signer des pétitions pour qu'on soutienne ces candidats qui œuvrera pour ça. Tous les combattants du monde entier, nous appuierons pour que la personne. Parce que ce sont des projets, des propositions proprement au peuple congolais aujourd'hui pour qu'il puisse manger. D'accord, c'est exactement dans cette optique, puisque moi, je me postule en tant que candidat. Quand je parle, c'est en qualité de candidat que je te parle. Donc, quand je parle, c'est en qualité de candidat. Quand je parle, en qualité de candidat, oui. moi aujourd'hui,
Ben oui, mais ce On sont des. qui les aura Et adoptés toutes parce les que nous faisons ça propositions, pour le peuple. et quand je On est parle, là, quand moi venir. je parle au nom des combattants. Toutes les propositions qui sont issues du PPDC, c'est un parti politique démocrate combattant, Au nom pour, des combattants. ben, c'est Voilà. au nom des combattants, puisque toutes les Voilà. propositions que j'écris ou que j'ai fait avancer, c'est pour changer Au nom des l'image des combattants. combattants. Donc, en tant que combattant que je me suis mis en avant avec un projet Inquiétant. fiable pour dire que Inquiétant. ben oui, je sors du milieu du peuple de combattants pour me présenter avec le peuple, pour être celui que les combattants pourront sûrement s'adhérer. Donc, je demande qu'ils puissent avoir le Inquiétant. soutien maximal de tous les combattants pour que nous puissions vraiment aller dans ce sens. Donc, et en plus, je travaille avec des personnes que je travaille. C'est pour ça qu'on dit des Congolais ou des Brazzavillois ou des Angolais ou des Gabonais que vous connaissez, ils ont peut-être une autre idéologie. Personne que moi je travaille avec eux ou que je côtoie ou que je parle, ils parlent dans mon sens en disant qu'il faut qu'ils puissent avoir une autre image du Congo. Donc ils ont les mêmes idéologies que ce que moi je pense. Ça veut dire que je ne suis pas en train de parler de quelqu'un. Papa, Oui, papa, oui, papa, je manque de respect à personne, hein. oui. Mais ces gens que vous travaillez avec eux, ils ont la même idéologie par rapport au Congo, c'est bien, c'est très bien, mais qu'ils viennent, qu'ils nous montrent, ils disent, moi je suis Angolais, je suis Congolais, etc. Je vous soutiens, voilà le nombre d'hommes que je mets pour votre combat. Parce Ben qu'on ne oui, les voit pas. ben oui, mais Et par contre, c'est si vous parce que vous regardez avez sur toujours ma que des page, anecdotes, hein. si vous Vous n'êtes regardez pas sur. qualifié pour la Oui, Coupe du Monde. je sais très Hein? bien. Et on vivait avec des gens qui parlaient même langue que nous, qui mangeaient la semoule comme nous, hein. Oui. Mais le jour de la Coupe du Monde, bah, eux, ils mettaient le maillot de l'Angola. Et qu'est-ce qu'il leur restait? C'est juste notre langue pour se foutre de nous. Bah, on les a donné la langue, et bien bah, ils nous ont donné l'épée. Bah, l'épée, maintenant, il faut qu'ils se servent. Vous voyez? Donc ça va, ils sont bien gentils. On veut qu'ils se mettent en lumière et qu'ils viennent nous prouver qu'ils sont de notre côté. Parce que quand on est en train de se faire chicoter là-bas, et bien bah, tous ces gens-là, on les attend simplement appuyés en. Je pense que tout ce que nous dirons, tous les peuples et les frères et sœurs combattants, combattantes, suivront et eux-mêmes iront dans leur sens. Mais une chose est sûre, moi je ne suis pas politicien. C'est mon droit en tant que Congolais de proposer des choses, etc. Parce que jusqu'à maintenant, dans ce combat-là, j'ai couché avec personne, je n'ai volé l'argent de personne, je suis resté blanc comme neige. Et donc, c'est pour ça que. Il en va de ma crédibilité. Si je fais ce combat, c'est pour rester propre parce que je veux un Congo propre. Donc, Batouana, c'est très gentil. Moi aussi, j'ai des amis, j'ai des gens qui travaillent pour moi aussi qui sont Angolais, Congo et consorts. Ils sont très gentils. Mais tant que tu ne me prouves pas l'amour du Congo, je ne te reconnais pas. Tu comprends? C'est ça. Parce que s'ils viennent, ils viennent te voir. Oui, ah, franchement, si on fait ça, c'est génial, etc., etc. Ils te disent à toi. Ça reste entre vous. Après, toi, tu viens nous en parler. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Moi, alors, ils prennent un drapeau d'Angola, hein, ils viennent vraiment dans la marche. Je suis Angolais. C'est des idées qu'il faut leur donner. Tiens, je suis Angolais et je veux pas Mon de frère, frère mon frère, seul regarde, tu sais, dans dans ma chez nos famille, cousins. je vais te parler, Mais dans ma voilà. famille, il est Parce que issu, s'il vient, parce que s'il vient, écoute-moi pas, l'Angolais, il vient avec un drapeau du Congo, ouais. puis par Lingala. Confusion totale, quoi. Bah, écoute mon frère, qu'est-ce que C'est tu penses maintenant? comme un Chinois qui arrive au Cambodge, on lui propose du riz long, du riz cassé et du riz parfumé. Il y a plusieurs sortes de riz, mais lui, il est Chinois, on ne sait pas s'il est Cambodgien ou pas, mais il va quand même manger les riz. Hein. Donc voilà, Oui, mon frère. mon frère, on reste dans cette optique. Admettons, prends peut-être un contexte dans ma famille. Dans ma famille est issue, puisque j'ai des frères qui ont des femmes angolaises. J'ai des frères qui ont des femmes angolaises. J'ai donc des petits-neveux. Mes neveux, mes nièces, ils sont angolais. Ils sont brazzavillois. Et je peux te parler, ma femme, elle est du Brazzaville. Ma femme, elle est du Brazzaville. Mes enfants. Ouais, je t'ai dit que mes enfants, j'en ai deux pour l'instant et une avec une Française, j'en ai donc trois. Donc deux enfants avec une Brazzavilloise. Donc ces enfants-là, que je te parle, ils sont de quel pays? C'est pour cela que quand on parle du KRD, du Royaume du Congo, Royaume démocratique, on pense d'abord à ces enfants qui sont nés à travers nos
compatriotes qui sont ici. Donc, on ne peut pas dire qu'il est congolais, machin, tout. C'est un Congolais à part entière. C'est un enfant. Donc, nous devons quand même essayer d'échanger pour dire que, bah oui, l'État du Congo que nous sommes en train de proposer, ce n'est pas ceux qui sont restés dans l'optique que je suis né pendant que je suis congolais, congolais, machin. Nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, oui. Qui veut être congolais, qui oui. veut bien de, oui. aider oui. les Congolais. Non, 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 parce que déjà. Aujourd'hui, le débat, c'est qu'est-ce qui se passe avec toutes les exactions commises par Kabila, qu'est-ce qui mange un Congolais aujourd'hui, etc. C'est le jour où on n'a plus faim et qu'on mange bien chez nous, eh ben, on va être vraiment. On va continuer à traverser Congo-Braza, aller en Angola et tout ça parce qu'on est une famille. Oui. D'accord. Mais on ne peut pas traverser, etc., parce qu'on fuit chez nous, parce qu'il n'y a pas à manger. On veut juste que le peuple mange, que le peuple arrête de se faire violer comme ça, que les peuples à l'étranger, dans la diaspora, puissent vivre bien. C'est tout ce qu'on demande chez les Congolais. On n'est pas contre qu'on vive en famille, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas vivre en famille si j'ai faim. Si je suis mal à l'aise quelque part, eh ben je sors, je vais voir ailleurs. Voilà ce qui se passe, c'est ça qui explique aussi l'exode des peuples congolais. Et derrière, un peuple congolais qui arrive dans un autre pays, quelle proposition tu as? J'ai des propositions concernant cela aussi. Diaspora, etc. On veut bien être ami avec tout le monde à condition qu'on n'ait pas faim. On veut bien être gentil avec tout le monde à condition que on ne viole pas nos femmes. On veut bien être gentil avec tout le monde à condition que tu viens, tu veux prendre un morceau de terre du Congo. Viens, mais paye cette terre-là, paye-la, achète le terrain et construis pour la vision du Congo. Mais viens pas exproprier les gens en violant. Puis, tu te rends compte que les Chinois, ce qu'ils viennent de faire chez nous, en 99 et en 2002, ils ont fait venir des soi-disant ingénieurs pour les histoires des cinq chantiers, des ingénieurs, etc., qui viennent travailler chez nous. 120 personnes par avion à chaque fois, et ces gens-là, on apprend qu'ils étaient en train de vider leur prison en Chine, et que c'est des gens, c'est des cannibales, hein, des cannibalistes, voilà. Bah, ben, ici, ben, on a ma ben, prison, on a, ben, ici, ben, on a deuxième chance dans la vie, ça s'appelle Opération Paradis, hein, deuxième chance dans la vie. C'est débattable, comme on peut dire, c'est quelque chose de complexe. Parce qu'il faut quand même que nous arrivions à admettre, à l'origine, un Angolais est un Congolais. À l'origine, un Gabonais est un Congolais. Ah. À l'origine, quelqu'un de Brazzaville est toujours un Congolais. C'est mental, ça veut dire la division qu'on parle. Ce sont les non, autres. Non, la division, non. L'unité. Ouais, 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 la division. Oui. On ne peut pas être unis si toi tu manges et moi j'ai faim tous les jours, tu me vois, je suis en train de mourir de faim, tu manges tous les jours devant moi, et puis tu ne fais rien pour que moi je mange. Là, c'est la division. Mais on veut bien s'unir si nous tous, nous mangeons. Aujourd'hui, nous ne mangeons pas, le peuple congolais souffre alors que nous avons des ressources naturelles inépuisables chez nous, et nous sommes en train de mourir de faim. Au secours, personne n'attend nos cris. 12 millions de morts, au secours, personne n'attend nos cris. On veut du concret. On va être amis, on va être famille avec tout le monde à condition qu'on mange. C'est tout ce que. Moi, je pense que c'est la vision aujourd'hui que j'ai.
Ben oui. Chacun vient, ils me disent ce qu'ils ont comme proposition, on peut en discuter. Vous Mais c'est des savez, choses très sérieuses. j'ai créé un parti politique exprès pour ça. On appelle le Parti politique démocrate combattant. Nous sommes en train de traiter des propositions, des projets pour permettre à nos compatriotes qui sont loin, aux États-Unis, en Belgique, en Hollande, en Angleterre, puisque ces gens-là, ils ne te Je peux connaissent pas. pas. Aujourd'hui, vous avez quoi comme moyens financiers aujourd'hui? Concrètement, à la banque, aujourd'hui, nous partons à la banque, on dit que ce groupe que vous avez créé, vous avez combien Oui, de écoutez bases mon frère, financières? écoutez mon frère. Combien Là, de je vais vous répondre franchement. les chiffres Là, complets? je vais vous répondre franchement. Oui. Jusqu'à présent, nous avons élu ou encouragé des hommes qui ont autofinancé leur campagne. Lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils font quoi? Ils volent. Ils volent pour récupérer d'abord parce qu'ils ne sont pas venus là pour travailler pour le peuple. Ils sont venus pour piller parce qu'ils se disent. Étant donné que j'ai pu m'auto-financer, cela veut dire que j'ai des comptes à rendre à personne. Et moi, je marche dans l'optique, je me dis, je veux que le peuple puisse me faire devenir, que moi, je puisse me dire que, bah oui, je me suffis pour devenir. Ça veut dire que cette attitude ne permet pas à un homme de pouvoir travailler concrètement pour un pays. Mais lorsque cet homme-là est soutenu, je parle l'optique comme M. Obama, qui, dans chacun, dans des États, chacun mettait 1 euro, 2 euros, 3 euros, machin, tout, qui permettait aux candidats de pouvoir avoir qu'on appelle la grandeur qui lui permettait de pouvoir se présenter. C'est dans cette optique que nous, au fond de combattants congolais, nous avons créé concrètement, c'est pour permettre à ceux qui veulent que nous puissions avoir un changement politique, de nous donner des outils auto-financiers, pour que nous n'arrivons pas à dire que ben non, nous allons d'abord voler parce que nous avons vendu nos biens, une maison ou fait machin et tout là. Nous arrivons avec un bagage donné par le peuple, nous commencerons à travailler directement pour ce peuple-là. C'est comme ça que nous pensons. Je ne peux pas te dire que je viens pour m'auto-financer, pour que je puisse m'accaparer des pouvoirs, devenir Non, mais dictateur. c'est pour ça que là, moi je parle du fait de notre Oui. peuple. De toute façon, aujourd'hui, arriver pour s'accaparer de l'argent ou quoi que ce Ben oui, soit, je ben pense que ça c'est une chose à c'est très oublier. bien de réveiller. C'est une chose à Aujourd'hui, si vous oublier. voulez, moi concrètement, je ne veux pas, par exemple, demain, arriver dans rentrer dans un mouvement auquel moi-même j'ai beaucoup plus d'argent que ce mouvement-là ou quoi que ce soit. Je ne veux pas. Aujourd'hui, je veux des choses concrètes, c'est-à-dire que pour éviter justement les abus de pouvoir, moi je veux des lobbies. C'est-à-dire que nous arrivons pour le Congo, nous avons notre argent pour financer nos campagnes Ben oui, c'est électorales, pour cela que nous c'est avons pour besoin cela de que nous avons l'argent créé et dire que exactement. non, on ne veut d'épaule de personne, on veut que le peuple. Oui, Et ben. ça, c'est les Congolais qui ont cet argent-là. Oui. On ne veut pas aujourd'hui Oui. arriver dans des. Tout le Ben monde peut être président oui, aujourd'hui, mais écoute mon frère, lui j'ai des assumer sa propositions, position, puisque. c'est quelle moralité va apporter dans notre pays? Mais là, pour Moi, l'instant, j'ai là, besoin de choses là, tout de concrètes. suite, là, j'étais en train d'écrire au fond de combattants congolais. Nous étions en train d'élaborer un projet pour essayer de publier, de démontrer ce que le Fonds des combattants congolais a pour objectif. Je pense que d'ici aujourd'hui ou demain, tu vas les lire, tu comprendras mieux. Parce que là, nous parlons de qu'est-ce que le Fonds des combattants congolais. Et nous expliquons pourquoi nous devons ne pas favoriser des hommes politiques à s'autofinancer pour diriger notre pays, parce que cela encouragerait que nous puissions faire recours au dictatorisme, au vol, et puis les personnes qui n'auront de rendre compte à personne. Mais par contre, si nous aidons ces personnes-là à avoir le minimum, ça veut dire un bagage nécessaire pour qu'ils puissent arriver demain au poste qu'ils souhaitent, ces gens-là commenceront dès le premier jour à travailler pour le pays et non dès le premier jour commencer à voler 60 ans pour lui et il ne travaille pas pour le pays. Donc ça, je préfère au moins dire aujourd'hui de dire que bah oui tiens, moi je préfère démarrer avec 1 euro et je demande tous ceux qui veulent me soutenir, tous ceux qui veulent mettre 1 euro, 1 Ce euro, n'est 1 pas ceux euro, qui va aider là les Abiens qui oui, sera soutenu. Ça, oui. c'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème, c'est que ceux
pour soutenir yo. Ça, ce n'est Oui. pas un souci. Tu comprends? On D'accord. fait des débats, on discute et tout, que Oui. tout le monde soit ouvert, qu'on soit conscient que. Exactement, parce que mon tour, oh, à Tambola, la marche, à Kota, la bagarre d'avis. D'ailleurs, avec le plein d'esprit aujourd'hui, c'est lui qui a fait le plus de gardes d'avis aujourd'hui en France. Il ne peut pas être président chez nous. Pourquoi? Parce que c'est très dangereux d'avoir quelqu'un à l'équipe à la prison et qu'on sort. À pas ficher. C'est-à-dire que demain, c'est un moyen de pression pour l'Occident, de mettre la pression, sinon il risque de tout révéler au peuple. Vous comprenez? Donc, c'est D'accord. pour ça qu'aujourd'hui, on veut des gens qui s'avancent proprement et qui, parce qu'on veut un Congo propre. Donc, il y a plein de choses qu'on développera à l'encre de la marche pour soutenir les amis Il ivoiriens va rien, à oui. Paris. L'encre de la marche. Donc, dans tous les cas, maintenant, la numéro Nalo, tombez là, la numéro Nalo, tombez là, plutôt, j'en peux pas de nouvelles. Ensemble Là, ça, là, on a bon, pour moi, on a pas contact quelques fois, on a tout dans la barre. On a tout, oui. D'accord. Ben, en tout cas, Nazan bien sûr. Et qui donne quand même qui valorise, parce que c'est un parti des combattants. Ça veut dire qui valorise tout combattant qui a des idées, on le fait que bah oui, nous puissions élaborer, mettre en place pour que nous puissions Bien sûr, devenir bon mon bien corps. sûr. Parce que Naki. Oui. Donc, mais. Oui. 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 Mais Mais par contre, eux, bah oui, il y a. Mon frère Speedy Kipopo. Dans ce pays, il y a un sens. Et il y a toujours. Pourtant, il y a toujours une marche. Pour moi, il y a une marche. Mais si on attend la marche, il y a une marche.
na temps etikali biso pona kobongisa ke to préparer politique etikali na 2 ans et demi 3 ans le temps que to ba to banda ko Ce organiser qui dit donc suivant, ce n'est pas le moment de ouais. faire des Ça propositions. veut dire Pourquoi? que ceux qui Je n'ai t'ont pas compris encore. tant Allez, besoin de laissez-moi favoriser préparer l'idée. tant besoin de Laissez-moi préparer. favoriser toujours ma Laissez-moi marche justement de préparer. besoin de Au favoriser libéré toujours. combat, on faisant la proposition, tu as fait ça va tout. Au libéré, la plus au pouvoir, tu proposes quoi? Voilà, est-ce qu'on fait ça va tout, Longo a raison. Maintenant, ça se prépare avant. Ben c'est pour cela que je me suis dit, non, si on attend toujours, comme on avait attendu le réveil de Tshisekedi, ça a commencé quand? C'est période de post-électorale, les gens commencent à se réveiller, c'est trop tard. C'est avant qu'on va commencer à préparer. C'est pour ça que je me suis pris bien d'avance. Je me suis dit, je ne suis pas connu, les gens ne me connaissent pas, je suis jeune, j'ai 37 ans. J'ai 37 ans, il y en a des grands qui. Ensemble, ça Ouais. c'est pas un Il y a problème. des grands On est qui ont ensemble. déjà. Ça peut être pour moi là qui démarche, hein. Donc D'accord. c'est pour En tout toi cas, c'est ma pour la sepele tradition mingi là. na Non, tant pas mes malins, personnel. mon frère. Mes Ok. malins, en tout cas merci. Ok. Inguetta, Inguetta, toujours Inge impliqué dans ton tafari boulot. popo. Vive D'accord? l'Afrique, Ok. vive la Côte d'Ivoire, vive le Congo, Vive et le puis le reste on Congo. s'en fout, Vive et puis c'est l'Afrique, tout. oui. Ok. Nzamba pambo na biso na kombo ya Kimbangu. Pambola, mon frère, à Ok. suivre, hein. À Merci suivre. bien. Ciao. Venez quand tu veux, mon frère. Non, non, il n'y a pas de problème. Mariage, décès, au Beninaï, Tous en a un Ghana, numéro de mon tout est orbe, à mais on la n'a pas base. de personne Non, à on ma a besoin nouvelle. de tous les unis et individus. Ok. À suivre. Photos en a éveil politique. Éveil vraiment à combattant. Ah, D'accord. voilà. Titre, Ok. on appelle ça éveil politique. D'accord. Ingeta, mon frère, À Nzamba suivre. Zalanao. Ingeta, ça fait plaisir. Ciao. Ouais, na sepele mingi na contact na frère na Speedy du popo, donc il est allé toujours ma campagne à combat. Et ça aussi la sengo mingi na sengi que nous avons le même objectif pour na ko koli sa combat. Pour ceux qui nous ont koli sa combat, nous allons toujours na ba idéologie à ba marche sans pour autant prétendre dans le futur et vous allez vraiment malam au mingi te. Mais en gros, nous avons aussi na ba ndeko penseur à combat. Oyo nyonso ba lingi vraiment que tout valoriser lutte la biseau voilà pour soutenir biseau donc parti politique démocrate combattant ils allaient ouvert pour nos combattants nous on se paye pour la banane sur le Congo pour te guider le temps pour l'anzela moko en tout cas na kosenga les sous-souké ma soutien à binondé zalandé et belé pour moni moi la moquette ce qu'a dit au bout de ma bateau monsieur c'est un nouveau nom à pour la ressort la nette pour déstabiliser donc ce qui bozoko Kozanabiso, ce qui est motoyé, a beaucoup de contrepoids et puis propager l'idéologie de la vision dans Boka, dans un village, je ne sais pas, Isali, pour tout le temps pour la vision de cela. En tout cas, on a dit qu'il y a un combo de Fumogimbangu, on a dit qu'il y a un combo de Kolo, pour tout le temps pour la vision de Soussou, après la vision de Mayele, pour tout le temps que nous retournons à Boko et à Siko, de la vision de Mayele. Nous avons un combo de la vision. Un combo de la vision. Et on va voir comment on a vu ça.